City is one of the most beautiful cities in the world. I have been coming to this city since before I can remember. However, it's a shame many people know very little about this charming city. Today, let's change that statistic with a quick trip to La Ville de Québec. First off, we have the Lower Town. What I love about this area are all the small boutiques and bistros you can visit. It also houses the oldest church in North America, the Notre Dame des Victoires. This area is rich in history and astounding in architecture, making it one of my most favorite places in Quebec. But why listen to just me? Quand tu viens te promener, tu comme là aujourd'hui, là, c'est quoi que t'as fait que t'as aimé le plus aujourd'hui? Faire la glissade. La glissade? La glissade près du château, c'est où? Oui? Oui. Oui? Ça va vite, hein? Oui? Est-ce que vous l'avez fait toute seule ou t'es avec quelqu'un d'autre? Avec toi? J'avais quelqu'un. Avec quelqu'un d'autre? Oui. Avez-vous gagné? Avez-vous non. Non? Qu'est-ce que t'as mangé là, que t'as beaucoup aimé? La queue de castor que Jésus a mangée. Une queue de castor? T'es-tu sérieux? Oui. Tu as mangé ça ici, dans un petit restaurant? Oui. Alors, je suis Élodie et je suis d'origine bretonne, dans le Morbihan, en France. Et puis, nous sommes arrivés il y a une petite année en Gaspésie. Beaucoup de rappels avec la France. Ben, c'est ce qu'on disait justement avant de vous rencontrer. Cette ville fortifiée nous fait penser à un vieux quartier de la ville de Nantes en France. Ouais. Ah, ben, c'est bien. Avec les maisons qui nous abritent du vent, avec les petits restaurants, les petites boutiques, ça rappelle beaucoup la vieille ville de Nantes. About 200 feet above, you can find the Upper Town of Quebec. The best way to get there is either by lift, or if you feel like a little exercise, lots and lots of stairs. Once you make it up, you find a treasured structure, the Château Pontenac. This castle serves as a world-renowned hotel, offering a beautiful addition to the skyline of Quebec. Another unique part of Quebec is that it is the only fortified city north of Mexico. There are many more boutiques, cafes, and some amazing views of the St. Lawrence River. Down at the Old Port of Quebec, you'll find wintry ice fishing fun for all ages on the frozen waters of Louise Basin. Parle-moi un petit peu de ton expérience, comment t'aimes ça? Ben c'est le fun là, c'est juste que je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de poissons, mais ça va venir si j'attends plus. Ouais, c'est-tu la première fois que tu fais ça, la pêche sur la glace? Ouais, la plupart du temps quand je pêche, c'est sur un lac, en chaloupe. En chaloupe? Ouais. En hiver, y a-tu, à part la pêche sur la glace, comme on fait là, y a-tu d'autres choses que tu penses que ce serait bien le fun de faire? Le village vacances Val-Cartier, c'est un centre où tu peux glisser. Sur des glissades, puis il y a aussi un bord à parc dans le village vacances dans le quartier, c'est des piscines, des glissades d'eau qu'on peut faire pendant l'hiver. C'est mon deuxième! This North American city truly is lovely. Everything from the language to the buildings brings you on a cultural journey. I always look forward to coming here whenever I get the chance. And I can guarantee you'd love it here too.